C'est une structure qui est mobile au sens où on peut facilement l'intégrer dans n'importe quelle salle. Et en plus, la structure du dôme, qui est elle-même une demi-sphère, favorise particulièrement ce qu'on fait avec l'ambisonique, parce que ça nous permet d'avoir une répartition très homogène des différents haut-parleurs autour du point central de la demi-sphère, là où est censé théoriquement converger tous les signaux des haut-parleurs pour créer le signal ambisonique. Le principal avantage, c'est que c'est vraiment une version mobile qui nous permet de sortir du plateau de théâtre, qui ne nécessite pas de point d'accroche. Et la particularité aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un objet posé sur le sol. Et le dôme, la structure qui en général doit s'effacer, est aujourd'hui un objet et complètement présente. Disons que c'est un peu dans l'air du temps de vouloir offrir aux spectateurs une expérience qui les touche. Interroger la relation du public à l'œuvre et déconstruire un peu la frontalité classique, c'est évidemment intéressant. Et alors le dôme permet vraiment de travailler dans toutes les directions. C'est un dispositif qui stimule l'imagination des spectateurs et c'est dans ce sens probablement que ces musiques fiction constituent un ensemble d'œuvres particulièrement riche et visionnaire, disons, en tant que produisant des visions, puisque notre but au théâtre n'est pas de produire des images, mais de produire des visions. C'est ça qui est intéressant.